Bienvenue à la réunion spéciale Magic Sioux. J'en avais déjà parlé à ma fille Pharao. Générateur, puis-je dire la mission? Oui, tu peux. Ne t'inquiète pas. Générateur, quoi? C'est juste pour vous demander, la mission a un rapport avec ce qu'on a fait lors de l'expédition du club de loisirs? On peut dire, oui. Ne t'inquiète pas, tu vas tout comprendre après. De base, moi, Mara et Sim, on était partis en expédition dans cette usine abandonnée pour trouver le Majutsu Volta. Mais il y a eu un inconvénient. Cet inconvénient, c'était vous, car vous étiez sur le lieu en même temps. Alors, on a dû essayer de s'échapper. Heureusement, on a eu l'orbe Volta. Car si vous n'auriez quand même pas été là, on l'aurait pas eu. Car après tout, c'est Lem qui a retrouvé l'orbe Volta. Donc vous avez bien fait d'être là. Tu peux expliquer ce qu'il se passe dans le monde en ce moment même? Ah oui, il y a des cavales et des ombres. On en a déjà examiné 7. En gros, pour le moment, il y a 7 cavales et des ombres qui entourent la région où se trouve le lycée Godex. Et tout près de la région du lycée Godex se trouvent un peu les orbes Majutsu. On est en train de les chercher parce que les cavales et des ombres sont en train de chercher ces orbes pour mener leur plan diabolique en œuvre. Et si on ne le fait pas très rapidement, alors la Terre pourrait en prendre un très gros coup. C'est-à-dire que tout le monde, l'ensemble du monde repose entre nos mains. Si on ne fait rien du tout, tout est perdu. Tout sera révélé demain lorsque vous partirez à tous les élèves. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous pouvez le dire ou pas. Ce ne sera plus un si grand secret. Malheureusement, vous n'irez pas tous. Il y en a qui n'iront pas. Mara, Alexia et Sim, vous étiez déjà dans la mission. Alors vous y restez. Vous allez lors du voyage. Le gardien de l'orbe Volta, c'est-à-dire Tara, ira aussi. Car chaque orbe a un gardien. Et si Tara ne vient pas les prévenir car elle les connaît, alors ils vous attaqueront. Et comme les gardiens sont forts... Océane, tu iras car tu es aussi une élève brillante. Et puis, même si tu n'es pas très assez forte, tu as un don pour sauver tes amis. Vraiment inébranlable. Quant à toi, Maori, tu es un Majutsu encore inconnu, et il nous sera très utile. Tu vas au voyage. On peut m'en dire plus sur ce voyage? Oui, après, je termine vite, d'abord. D'accord. Pharao, ma fille, je ne sais pas si c'est une très bonne idée de te laisser y aller. Mère, je suis super forte depuis que j'ai grandi. Je peux vous assurer la protection de mes amis. Et aussi, je veux que Lem vienne. Je sais que vous ne l'emmènerez pas. Alors je le demande qu'elle vienne. Ce ne sont pas vos problèmes familiaux ou intimes qui bloqueront la mission. Lem est super forte, alors laissez-la aller. On dirait bien que tu t'es trouvé de super amis, Pharao. Vous y allez aussi toutes les deux. Karine, tu n'iras pas car tu es nulle. Oh, ça a été direct. Bonne chance les gens. Elle est impolie cette fille. Et toi, Debra? Tu n'iras pas non plus car tu es nouvelle, on ne te connaît pas. Je comprends, ne vous inquiétez pas. Bonne chance dans votre mission. Menez-la bien. Vous êtes donc 8.
8 à partir dans cette expédition dangereuse pour sauver le monde. Ne prenez pas ça comme une simple mission. Ça va être compliqué. Qui sont les objets dont vous aurez besoin lors de ce grand voyage? Une caméra qui n'a pas l'air très équipée, mais peut contenir beaucoup de photos. C'est juste pour quelques souvenirs de ce voyage. Vous aurez le droit d'en prendre autant que vous voudrez. Allez, selfie général! Un lot de potions pour vous guérir lorsque vous êtes vraiment blessé. Ça serait très utile. Je ne tiens pas que certains crèvent pendant l'expédition. Ça serait très bien. Oh merde, vous avez pas choisi un très bon parfum. Oh, ne t'en fais pas, c'est de la pisse de licorne. Et le dernier tout petit objet, une carte de crédit, avec beaucoup d'argent dessus. Vous en aurez grandement besoin, parce que vous partez, et je tiens pas à ce que vous restez dépaumé. Ou encore, FDF en rue. J'ai fait exploser mon crédit! C'était pas une très bonne idée, en fait. Vous aurez le temps de vous préparer demain, mais apprêtez-vous aussi aujourd'hui. Ça fait pas un peu de choix de lumière là? J'ai voulu faire comme les Totally Spies avec le whoop et tout ça, vous voyez? Non, pas du tout. J'abandonne. Allez, préparez-vous pour demain. Ah, Alexia, t'as fini de préparer tes préparations? Ça va, Mara? Enfin, tu me réponds. Je voulais te demander. T'as fini tes préparations? Je suis en train de les commencer. T'inquiète pas, je réfléchis. J'ai toute la journée d'aujourd'hui et de demain. Et tu comptes prendre quoi? Tout ce qu'il faut, des vêtements, de la nourriture, car j'aime bien les petits snacks. Une gourde. Bah, tout le tralala, voilà. Et toi? Des boîtes de mouchoirs. Comme ça, j'ai un stock. What? Océane? J'ai encore un peu mal aux yeux, désolé. Tu veux quoi? Bah un peu savoir. On part où? En fait, on part chercher tous les orbes Majutsu, tu vois. Et on va toutes les chercher dans toutes les régions du monde et tout. Enfin, qui entourent le lycée Codex. On va devoir les retrouver. Et devoir les sauver. Contre les cavaliers des ombres. Ça va être un peu difficile, mais bon, on va s'en sortir. Ah d'accord. Mais on n'avait pas vu une orbe Majutsu, tu te souviens, dans la forêt, là. C'est vrai. On devrait prévenir le générateur, non? Alors viens. J'arrive. Alors, pour partir, il faudra aussi une tenue adaptée au froid, car on va chercher l'orbe Majutsu Givra. Ce gilet, il est beau. Ça fait un moment que je l'ai plus mis. Lem, t'as préparé toutes tes préparations? Ouais, et tu sais quoi? C'est une bonne idée de faire ce voyage. Pour quelle raison? Vu qu'on approche des examens, si on sauve le monde comme ça, on n'aura pas à faire les examens, on passera directement. Tu trouves pas ça amusant? Wouhou! Pas d'examen! Pas d'examen! Pas d'examen! Wouhou! Aïe, tu pourras pas monter plus haut. Et n'oublie pas que tu vas partir avec Len. Mara, tais-toi! Au fait, vu qu'on va partir chercher le Majutsu à quoi, tu crois qu'on va aller sur une plage? Pourquoi t'attendrais quoi? On va devoir aller au magasin, acheter des bikinis et tout le truc et tout le tralala, tu vois. T'y avais pas pensé? On devrait prévenir les autres. Jeff, tu viens? Non, j'ai la flemme, t'es trop loin. Je vais rester ici. Badaboum, Shaq! Wata! Attends-moi, Pharaon! Elle a eu peur, hein, taré. Générateur? Oui, c'est pour? On doit vous parler. Vas-y, fais comme chez toi, Océane. C'est très important. D'accord. Une fois, quand Maori devait faire son combat contre Shion, eh ben, on était partis dans une forêt pour chercher son Majutsu. Oui, c'est là que j'ai envoyé des élèves pour aller chercher son Majutsu, mais que c'est Maori qui l'a eu à la place. Et donc, tu me disais? Dans cette forêt-là, il y a le Majutsu Vegeta. On l'avait vu, moi et Maori. C'est le Majutsu que j'observe chaque coucher de soleil. Je vais toujours le voir. Et vu que je vais le voir chaque coucher de soleil, peut-être que je pourrais aller le chercher. C'est une très bonne idée. Mais vous ne pouvez pas aller le chercher maintenant. Vu que la mission ne peut commencer que demain.
Pour vous, alors voilà. On ne peut rien faire d'autre, c'est les règles. Donc on devra aller le chercher demain. Tu as tout comprise. C'est tout? Pour le moment. On espère qu'on vous a bien aidé. Oui, maintenant je sais qu'il y en a un tout proche. Je vais prévenir les autres. Si on aura un peu la paix. C'est un peu bizarre tout ce qui arrive d'un coup. On peut enfin se détendre. Il y a des tarés ici. Bon, ça va. Tout va bien se passer. Attends-moi, Pharaon! Ah! Ils peuvent pas faire attention. Oh non. Wasabi! Ah! Maître, la mission pour l'orbation de l'orbe Volta a échoué. Mais j'ai quelques informations supplémentaires. S'agit-il d'informations intéressantes? Des informations qui pourraient vous plaire. Intéressant.